Les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de mon Let's Play sur Watch Dogs Legion Bloodline. Je préfère le dire en anglais hein, parce que les liens du sang en français c'est bof bof. Hein. C'est un peu la tristesse. Bloodline, c'est la classe. Attention! Ah! Oh, oh! Merde, désolé madame. Je voulais me la péter mais j'ai raté. Donc je continue la quête principale qui me demande d'aller à l'Earth Fortune. Je crois que c'est un bar dans laquelle je vais rencontrer quelqu'un. C'est Jackson qui m'y a envoyé. Voilà. Attention. En fait, il n'y a pas besoin d'utiliser le frein à main dans ce jeu. Ah, mais Lord's Fortune. Oups, désolé. Lord's Fortune, c'est notre bar à nous dans l'aventure principale avec notre cachette. Pourquoi il me voit là-bas? Tiens, d'ailleurs, oh putain. Dis-moi pas que c'est un dead sec. Pourquoi il m'envoie là? Notre cachette, c'est ici. Mais non! Oh putain, imaginez, Jackson, c'est un mec de chez DeadSec. Donc c'est vous que je dois rencontrer, madame? Enchanté. Connie Robinson? Eden Pierce, il paraît que t'as le bras long. Tout à fait, Jackson m'a prévenu. Quand il m'a dit qu'Aiden Pierce allait passer, j'ai cru qu'il me faisait une blague, mais... T'es bien là. Alors... Le renard a-t-il besoin de quelque chose en particulier? Le renard. Quelque chose d'insolite. Tiens. Ça me cloue le bec. Qu'est-ce que c'est? Un éclat de bombe qui a bien failli me tuer. Ça doit venir d'un détonateur activé par smartphone. Tu saurais où on peut se fournir ce genre de truc? Ouais. Je peux demander. Mais là, sans réfléchir, je connais une nana qui m'aide à importer des biens insolites. Commence par là, peut-être. Une contrebandière. Si quelqu'un sait où se fournir en pièces de bombe. Exact. Je t'envoie une adresse sur ton optique. Mais... Aiden? Ça, c'est un service pour Jackson. Si tu veux d'autres coups de main, il faudra les mériter. Entendu. Alors, attendez, parce qu'il y a un document ici. Ça bizarre. C'est mon rituel à moi et puis c'est... Je sais pas, il est hors du décor lui, on dirait il est... Je sais pas, il est fake. Déjà, c'est quoi ce casque mon frère? Ça te dérange mec, t'es génial. Bref, je suis juste venu prendre ça messieurs. Photo de surveillance des Sears. Preuve photographique des liens possibles d'un artiste de rue avec l'association des fixeurs. Et en plus t'es beau. Allez, merde. Pas derrière le comptoir, voyons. Ah, parler à Freddy. Je vais reprendre ma voiture hein, qui est super bien garée hein. Bon, je l'ai un petit peu cabossé mais ça ira. Allez, let's go. Je passe par là. Alors on roule bien à gauche, bordel. Londres les amis, Londres. Magnifiquement modélisé. Ça, on pourra pas leur reprocher à Ubi. Autant le jeu, l'intelligence artificielle, les PNJ, tout ça, machin, le scénario, c'est bof bof. Mais alors, la ville, d'ailleurs, les villes, hein, dans leur jeu, ils savent bien reproduire les villes. Alors, c'est par où? Je vais tourner ici, là, au Starbucks Coffee. Un sex shop, bah, viens, ça m'intéresse. Sympa ce petit coin. Bridget, travailleuse du sexe. Salaire 10 000 livres. Quoi, par mois? Putain, je vais arrêter ce que je fais. Mais... Je vais arrêter YouTube. Hein. Ça paye pas assez. Hein. Alors, Freddy, qu'est-ce que tu fais dans ce coin malfamé? Mais en plus, t'es plutôt bien, Freddy. Ah, je peux pas la scanner, elle. D'accord. Connie Robinson, ça te parle? Ah, c'est toi, son kleps américain. Apparemment, t'es un genre de vieille célébrité, hein? Sans commentaire. Je cherche un endroit où on pourrait trouver de quoi fabriquer un gros stock de bombes. Ouais, enfin, tu vois, j'ai pas ça sur le bout de la langue, ok? En fait, pour tout te dire, j'ai un genre de... désaccord avec Albion, qui me stresse un peu, mais si tu me filais un coup de main,
je suis sûre que la mémoire me reviendrait, tu vois. C'est bon. Donne-moi les détails. C'est une embrouille toute simple, tu vois le genre. J'ai pas marchandé avec les bonnes personnes, et ma dernière cargaison s'est retrouvée bloquée dans un repère de fachos. Compris. T'éloigne pas. Ça prendra pas longtemps. Oh. Mais c'est qu'il a pas froid aux yeux, l'Américain. Bonne chance, hein. C'est qu'il a pas froid aux yeux, l'Américain. Bon, en fait, même le doublage, c'est toujours pas ça. Il y a que Hayden, en fait. Ils ont pris le doubleur officiel du premier Watch Dogs, donc forcément, le gars, il gère, hein. On voit que c'est un acteur. Par contre, le reste... Jackson. Voilà, quoi. Je sais pas si tu m'écoutes sur ce canal en ce moment, mais... juste au cas où, je tenais à te dire... la seule raison pour laquelle j'ai accepté ce job, c'était pour que ta mère et toi soyez plus jamais dans le pétrin. Enfin... je veux dire... Sérieusement, Hayden, je fais mon doctorat dans l'une des meilleures universités de sciences du monde. Maman s'en sort très bien. On n'a pas besoin d'argent. J'ai pas besoin d'un flingue non plus. Mais... je suis bien content d'en avoir un en cas de problème. Non mais écoute-toi, t'as accepté ce job parce que t'aimes tirer sur des enfoirés et sortir des phrases de ce genre. Ça, c'est faux. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je me fais distraire. Je devrais y aller. Ouais, moi aussi. J'avoue que ça tient pas trop la route, toi, tes arguments, Hayden. Le gars, il est en doctorat et... sa daronne, apparemment, elle gagne bien sa vie. Besoin de ton aide, quoi. Je sais pas du tout où je passe, hein. Je m'improvise des routes. Écoutez, tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Voilà, attention madame, vous voyez pas que je suis sur la route là? Ah mais attends, c'est où ça? Ah ouais, non mais d'accord, ok. Ah non, là je suis en train de m'improviser n'importe quoi, surtout moi je pensais que c'était là, hein. Bon bah... comment qu'on va faire? Je vais pas passer en dessous. Je suis un peu ça même. Oh! Ah c'est bon! C'est bon les gars, j'ai trouvé. Est-ce que vous pensez que ma voiture va passer là? Ça se tente, ça se tente. Bah voilà! C'est bon! Nickel. Et voilà. Eh si seulement c'était possible ça en vrai. Enfin non, non, oubliez ce que j'ai dit. Non, parce que ça se trouve il y en a qui regardent cette vidéo, ils vont aller le reproduire en vrai. Non, ne faites pas ça les gars. C'est un jeu vidéo. Ne roulez pas sur les trottoirs et ne montez pas les escaliers avec votre voiture. Ah mais merde, attends, c'est de l'autre côté. C'est quoi ces bordels de route là? C'est quoi ce GPS? Elle est tout terrain cette bagnole, je vais la garder. La ville, elle roule super vite en plus. Tu dois t'en approcher. Voilà, ok, ça devrait être dans des petites boîtes. Petite? Pas un énorme coffre de flingues. Tu connais le dicton? L'uranium appauvrit, il en faut plus pour être heureux. On va se garer là. Du quoi, appauvri? Ouais, à ce propos, tu devrais utiliser un drone de livraison ou un truc du genre pour transporter ça. Si jamais il n'était pas si appauvri que ça. J'ai justement récupéré un gadget qui devrait faire l'affaire. C'est toi qui vois. J'ai garé un van à proximité, avec un intérieur doublé ça en plomb. Tu devrais t'en servir pour le transport. Ouais, ça peut-être. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en mode air? Alors attends, je dois prendre mon petit drone. Hop. C'est parti. Hop. Mode air, hop. Je dois ramasser les colis. Ah merde. Où est la clé? Qui a une clé ici là? Lui! Il me voit ou il me voit pas là? Ah là il me voit, ouais. C'est good, j'ai la clé. Il est trop bien ce drone, la vérité. Ça sert à quoi ça? Merde, attention. Je prends ça et...
et je ramène ça là. Ah, ok, bah je suis juste à côté. Je te moule. Et largage. Ok, le deuxième. Il est là. Ah, mais il y a du monde. Si je fais ça, elle va faire. Oh là. Du coup, tout le monde va aller la voir. Super cette mission. Moi je le kiffe. Et le dernier se trouve là-bas. Alors il y a tout le monde qui va là. Ah merde. Comment ça hors de portée? Putain, il faut que j'avance. Merde. Il a réussi à partir. Où mon drone? Où mon drone? Excusez-moi. Wesh. Ah, il est là! Oh putain! Ah ouais, effectivement. Oh, je peux pas! Comment ça, je peux pas? Mais genre! Georges de la jungle, quoi! Putain! Je suis quand même pas avancé. Je vais me mettre là. Et là, il est où? Il est là. Ah là, c'est bon, frère! Hein. Yes, c'est bon. Oh, eh, c'était dur là. Zut, je vais avoir du mal à expliquer ça. Et voici. Là, je le récupère. Et je dois livrer la marchandise. J'ai ta marchandise, ah non, mais j'abandonne je crois ma qu'ils voiture. Ont remarqué qu'elle avait disparu. Je vois qu'on me poursuit. Je suis sûr que tu vas t'en tirer. Voilà un point de livraison. Tu voilà. Pourras y aller dès que tu les auras semés. Bien les reçu. Hendek. Je m'y rends. Il y a les Hendek qui arrivent. Tu fuis des mercenaires à bord d'un van rempli à ras. Ah frère. Et t'en profites même pas pour t'amuser. Gardons ce canal pour les urgences. Je dois me concentrer. Bon, il faut que je les feinte là. Centrale, la cible a traversé le barrage. Voilà. À vous. J'ai levé les espèces de herse là. On va juste lui. Détruisez le véhicule de la cible. Ah. Ouh. Il s'est envolé le gars. On bouge de là, frère. Centrale, on lui colle. Attention. Ça dégage. Mais c'est lui que je veux. Oh bah c'est passé, c'est passé. Aïe. On avait bien niqué quand même là. Laissez-moi monsieur, laissez-moi. Oh là, il y a une explosion derrière je crois. Laissez-moi. Yeah. Salut. Il va falloir que je prenne des petites ruelles hein. Ça va pas le faire hein. Mettre un petit coup de volant là. Ça dégage. Oui. Oui. Ça dégage. Allez, il m'en manque plus qu'un. Et après je suis tranquille. Et voilà, c'est bon. Merde, attends, attends. Ah mais là il y en a un qui arrive. Mais c'est pas possible, c'est pas cette course poursuite de fou. De fou malade. Passe là, attention. Ah, la cible a traversé un barrage. Et ouais mon gars. Vas-y là 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 là. Centrale, on colle toujours à la cible. À vous. C'est bon.
C'est bon. Oh là 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 là. Alors attends. Ok, c'est là-bas. Merde, attends, il y en a un au bout. C'est quoi ici? Oh merde. Oh merde, je viens de me jeter dans la gueule du loup, moi. Bon, de toute façon, j'ai à peu près vu où c'était. L'individu recherché a franchi un barrage. C'est bon. Oh, ah non, 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 il y en a un autre, là, il arrive. Oh là là, mais regardez-moi ce radar de fou. Poursuite en cours. Je répète, on lance la poursuite. En même temps, j'ai une camionnette. Qui fait des courses-poursuites en camionnette dans ce pays? Personne. Personne fait ça. T'inquiète, j'ai le chemin dans ma tête. Tout va bien. Du deux roues, au calme. Apparemment, c'est ici. On arrête la poursuite. Terminé. Et voilà. Ouh. J'ai livré ta marchandise. À toi de me dire où je peux trouver quelqu'un qui vend de quoi fabriquer des bombes. Ouais, ouais, pas de soucis. Je t'envoie l'emplacement, c'est plus simple. Parfait, merci. Oh, et je t'ai laissé un petit cadeau pour toi, Connie. Si t'en veux plus, tu sais où me trouver. Je m'en souviendrai. Et ben voilà. Tout est bien qui finit bien. Parler à Connie. Alors, elle est où celle-là? Ben, il faut une bagnole, hein. Ça va pas se faire tout seul. Oh, oui, oui, oui. C'est la même que tout à l'heure, mais en orange. Monsieur, monsieur, monsieur. Hein? Monsieur, j'ai une petite info. Ouais. Non, mais je vous demande pas de sortir non plus, hein. Ne vous pas. On n'est pas... Bah, il me la lèche gentiment. Ah bah écoutez. Ça se refuse pas, hein. On va pas refuser une voiture gracieusement offerte. Attention. J'ai cru qu'elle allait continuer tout droit. C'est ouf. C'est... 100 mètres en moins de 10 secondes. C'est là-bas. Personne n'y croyait. Bon, hein. Le plus grand. Brokatek. Êtes-vous prêt pour... Je me mets en double fil. Yo. Hey Hayden, on m'a laissé quelque chose pour toi. Regarde, si tu cherches à t'équiper, que ce soit des flingues, des déguisements, ce que tu veux, j'ai toujours des contacts qui peuvent t'aider pour quelques services. Compris. On est d'accord, ma voiture, elle a bougé. Wesh! C'est quoi cette voiture fantôme? Débloquer des améliorations, terminer des missions de résistance pour des contacts de Jackson en terminant certaines missions. Vous recevrez des améliorations qu'Aiden pourra utiliser. Terminez des missions de résistance pour obtenir les armes, les piratages avancés et les améliorations de gadgets que vous pouvez voir dans le menu amélioration. Rendez-vous. Ok. On va avoir plus d'armes alors. Ah, nouvelle arme. Le gobelin incapacitant. Plus 1000 étoffes. Ouais, c'est sympa. Ah ouais. Ben comment que je fais pour rentrer maintenant là? Équiper le fusil d'assaut gobelin dans le menu. Ah. Alors amélioration. Bah il y est pas. Hayden. Ah ça doit être là. Hayden Pierce, juste ici, a prouvé la culpabilité du maire de Chicago dans une affaire de meurtre. Voir la biographie. Son passé avec DedSec est plutôt compliqué. Il a 55 ans. Ah ouais. Profession justicier. Genre c'est un job quoi. Son neveu Jackson étudie à Londres, associé. Recherché dans les pays suivants: Honduras, Biélorussie, Qatar, Canada. Qu'est-ce qu'il a foutu au Qatar, Hayden? A démantelé à lui seul la mafia de Chicago. Très bien. C'est ici qu'on change l'arme alors, non? Voilà, le petit gun, bye bye. Là j'ai une
Oh, j'ai un fusil d'assaut incapacitant, ça existe ça en vrai. Très bien, mon petit. C'est bon. Je m'en suis équipé, voilà. Et donc, et une autre mission ou pas? Ah, mission commencée, remonter la piste. Bon, bah moi je vais surtout remonter dans ma voiture. Hein. Connie m'a dit que t'avais récupéré mon petit colis. Voilà l'adresse du centre commercial que tu recherches. C'est gentil. Centre commercial. Ah, je vois. Tu veux pas le dire au téléphone, c'est ça? Allez, let's go! C'est où ça? Mettez-moi la map. Oh, c'est juste à côté. Okay. Ah, j'ai vu qu'il y avait des petits magasins là. Vous voyez là? Sur le radar, il y a des t-shirts. Donc c'est des magasins. Hein. Je me demande si on peut custom Aiden. Salut. Ah. J'étais en train de regarder ton flux optique là. Et je vois que tu te rapproches d'un territoire de gangsters. Je risque d'en entendre parler aux infos. Je cherche juste des documents. Ça me regarde pas, mais quel genre de documents? Je cherche quelqu'un qui a acheté récemment beaucoup de matériel pour faire des bombes. Et même les gens qui bossent au marché noir doivent tenir des registres, les assurances, le blanchiment d'argent. Donc si je récupère ces registres et que je raye quelques malfrats internationaux de la liste, ça réduit les options. Dak, tu cherches un gars qui fait des bombes. Pour l'arrêter. Bah... C'est ça. Bon, ok. Mais fais gaffe quand même. Va te faire foutre. Mais va bien te faire foutre, mon gars. Mais, mais il est où le pilote? Attends, j'ai rien compris là. C'est elle? Elle est sortie, elle a pris une photo et elle re-rentre. Comme si de rien n'était. Elle avait juste envie de me faire chier, ok. Bref, concentration, élimination armée. Aiden a la capacité d'abattre rapidement ses ennemis avec précision. Utilisez concentration pour engager le combat avec des ennemis. Éliminez un ennemi avec votre arme dégainée, appuyez sur X pour l'exécuter et ensuite maintenez LT tout en réalisant une exécution pour ralentir le temps. Ah. Donc là... Attends, pourquoi déjà il m'enlève tout le temps mon drone? Laissez-moi ça, bordel. Donc faudrait que je rentre ici. Et que... Si je fais ça. Allez, mettez le paquet. Ouais mon gars. Wow. Ok, moi j'y suis pour rien les gars. Moi j'y suis pour rien du tout. Moi je me casse même. Je vais faire le tour. J'ai l'air d'y avoir une entrée ici là. Sur la droite. Il y a des mecs qui sortent carrément. Ok, on va jeter un œil. Oh putain, bonjour. On se disperse, faut trouver. Ah, c'est dommage, j'aurais dû faire ça. Ah oui, elle va se la prendre. Oui. Vas-y. On l'a. Ah non, merde, non. Ah, je peux pas attirer. J'y aille. What? On a un blessé. Oh yeah, baby. Ok. Putain, ça va péter, mon colonel. Wouhou. J'ai cru comprendre qu'il fallait faire ça là. Deux petites secondes. Je vous jure que la cible était juste là. Je vais jeter un œil. Je suis toujours là en fait. Y'a pas qui me tire d'en haut là? Ah bah si! Va se calmer celle-là! Ramenez-vous,
Bon bah je crois que j'ai éliminé tout le monde. Hein. Ah, ah Aiden Pierce, quand il veut, hein, il peut désinguer des mers. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, obtenir le registre du marché noir. Il y en a trois. Ouais, ce profil ne vendait pas des pièces de bombes. C'est quoi ça? Section d'attaque, permission d'engager, force létale autorisée. Feu vert pour l'opération route de la soie. Je répète, feu vert pour l'opération. Merde, Albion va débarquer. Je dois récupérer les données maintenant ou ils vont tout rafler. Ah, c'est la guerre, mon colonel. Qu'empirer les choses. Merde. Merde! Ah là 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 là! Ils ont ramené des bagnoles et tout carrément! C'est par là, hein! Ouah, ça fait mal ça! J'attends un petit peu! Oh! Merde, merde. Ah, j'ai plus de balles! J'ai plus de balles, genre. Genre, moi, Aiden Pierce. Quel merdier, je me suis foutu là! J'aime bien les vitres incassables. Hein. Quoi ça? Voilà! Il y a un truc là-haut! Vas-y, j'y vais vite. Et on casse d'ici. Commerce de drogue. On s'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font de ce fric. Allez, go, go, go! Cette personne vendait des optiques de contrebande, apparemment. Je voulais une liste de clients d'un fabricant de bombes, je suis servi. Tiens. Une grosse cargaison est sur le point d'être expédiée chez Rambard. C'est peut-être rien. Ou alors il est sur la piste de Ranch. Putain! Je veux pas risquer de perdre mon avantage. Je dois détruire ce véhicule. Fais chier, là! Je suis bloqué! Détruire? Ah, attendez! J'allais partir. Mais apparemment, faut détruire cette merde. Ça va péter! Pour l'instant, je garde une tête d'avance sur Rempart. Mais j'ai toujours un temps de retard sur Ranch. Il faut que je bouge d'ici et que je retrouve sa piste. Ok, une seule chose à la fois. Allez! Voyons la liste des clients de ce fabricant de bombes. On élimine les têtes connues et ça donne. Oreiller érotique d'animé SARL. Quoi? Coucou, Ranch. Montre-moi ton fichier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va se mettre sur le côté. On va couper la musique, là, ma soul. C'est quoi ces trucs, là? Anime sex pilo. Wow, wow, wow! Mais non, sans déconner! Jackson? Pardon, je croyais que j'étais en muet. T'as laissé les autorisations vidéo et... j'ai pas résisté. Dommage que t'aies fait chou blanc. C'est pas un désastre, non plus. J'ai appris que le gars que je cherchais était ultra méthodique et assez malin pour effacer ses traces. Et il fait sans doute le mariole afin de pas être pris pour une menace sérieuse. Exactement. Il porte un masque pour se cacher le visage. Mais son vrai déguisement, c'est son personnage. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais. Écoute, c'est un peu bizarre. On peut se parler, mais genre, en vrai? Bien sûr. Bouge pas, j'arrive. Imperial College London, faculté d'ingénierie, candidat au doctorat... carte de membre dans une salle de MMA, livraison mensuelle de barres de protéines Buff Max. Mais si vous aviez trouvé Jackson, vous me l'auriez dit simplement. Non.
Je vous l'aurais montré pour que vous me croyiez. Va-t-il falloir en arriver là pour vous me donniez votre complice ? Je vous l'ai dit, je le connais pas, mais je peux le trouver. Mais franchement, c'est surtout à vous que j'ai envie de rendre une petite visite. Idée stupide. Vous l'avez dit vous-même, je suis très riche, et ma famille l'est encore davantage. Même si vous me tuez, vous allez ruiner la vie de votre neveu. Vous avez déjà provoqué la mort de sa sœur. Vous seriez capable de remettre une couche. Vous l'aurez, votre gadget. Je raccroche. Et ce Thomas Rampart, hein. Il fait un peu trop le mariole à mon goût. Bref, je vais aller voir Jax. Finalement, il kiffe, hein. Il voulait pas me voir, il voulait pas que je reste, mais il fait que m'appeler, il va absolument collaborer. Ah ouais, le mec il a une tourelle à côté de chez lui. Chaud. Ok. J'ai réfléchi une minute. Et je vais t'aider. Non, Jackson, je peux pas te laisser faire ça. Je t'ai pas demandé de venir. Et ma vie est sur pause tant que t'es là, alors autant que je te sois utile. T'as raison. Bon, il y a ce salaud plein de thunes, Thomas Rampart. Il veut un truc qui s'appelle le Broca Bridge, où il va finir en tôle parce qu'il est en train d'arnaquer le gouvernement. Rampart. Le mec des robots, c'est ça ? Il fait dans la sécurité privée ? C'est ça. Et laisse-moi deviner, il t'a engagé pour récupérer le Broca truc et t'as compris que c'était un connard ? À peu près, oui. Le Broca Bridge a été volé par ce clown de DedSec. Il se fait appeler Ranch. Et Rampart a sûrement cru que vous bossiez ensemble. Ensuite, il m'a menacé si jamais tu lui livrais pas à ce Ranch, c'est ça ? Exactement. Et franchement, j'aimerais bien. Mais j'ai aucune idée d'où il est. Donc c'est pour ça que tu te renseignais sur les bombes. Tu sais, je commence à plutôt bien me débrouiller à Londres maintenant. Je devrais pouvoir trouver une piste ou deux. D'accord. Mais essaye juste de pas te mettre en danger. Ouais. Jackson. Ça ira. Tu me connais. Au fait, je voulais te dire... Ça risque de me prendre un petit moment, alors hésite pas à t'occuper en attendant. Ok. Je crois que tes amis de la résistance sont du boulot. Ah, moi j'ai rien fait du bon tout. Bon réflexe. Ils devraient pouvoir t'aider à t'équiper aussi. Si jamais ça se barre en sucette à n'importe quel moment, t'as intérêt à avoir du bon matos avec toi. Amélioration, mode soutien. Ah, lourd. Ça peut me servir de tourelle en gros. Vous avez vu, hein. Je suis parti en mode... J'ai rien quoi. Les mains dans les poches. Je suis un simple civil. Bon, allez. Aider la résistance londonienne pendant que Jackson enquête. Ah. Amélioration du mode soutien. Le multidrone possède désormais une tourelle automatique. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit. Alors, ça marche comment, ça? C'est ça, l'émission? Ah, donc, il y a des... Il y a du secondaire. Parler à Connie, parler à Angel Lopez, parler à Freddy... Parler à Claire Waiters. Ok, il y a 4 personnes. Et là, le menu amélioration. Alors, si je parle à Connie, je vais débloquer Parasité. Si je parle à Freddy, je gagne un fusil à pompe. Si je parle à Claire, j'ai l'enrayage. Angel, j'ai le piratage des drones chasseurs. Et il y a un inconnu. Je sais pas c'est qui celui-là. Bah le mieux... Ah le mieux ça serait attirer là. Je fais les 2 missions de Claire. Ah oui attends, il y a ça aussi. Le Negev. Mais il n'y a pas d'armes silencieuses. À part celle-là éventuellement. Les tirs à la tête assomment immédiatement les ennemis. Et le AK-47. Non mais attends, Aiden Pierce depuis quand c'est devenu un mec du AK-47 quoi. Ça c'est les missions principales. À un moment je pourrais avoir le piratage de robots mec. Non, je pense que je vais faire enrayage pour avoir attiré. Tu vois ce que je veux dire? Le serment d'hypocrite. Rigolote cette mission.
Ah bah évidemment c'est la plus loin, putain vous faites chier. Bon c'est pas grave. C'est pour une bonne chose. Elle est dégueulasse la voiture là, il faut la passer à l'éléphant bleu hein. Oh c'est quoi ces musiques là? Mettez-moi du bon son. Voilà. Petite musique classique comme ça là. C'est ça que c'est bon. Il y a quoi d'autre? J'aime bien mais à petite dose. Ah, j'ai pas coupé la radio là. Ah voilà. Yo Big Shaq. Another one. Je vais aller en voiture hein. Ne m'en voulez pas, la skip elle est ici la meuf. Et voilà, votre Uber Eats est arrivé. Bonjour, bonjour. Hey, tu me cherchais? C'est vous qui m'avez parlé, oui, je vous cherchais. Tu dois être clair. Connie m'a dit que t'avais besoin d'aide sur une enquête. T'es quoi? T'es journaliste? Journaliste, podcasteuse, appelle ça comme tu veux. J'ai un don pour flairer les trucs louches. En ce moment, je m'intéresse à un deal entre Rempart et Carcani. J'espère que tu te fies pas juste à ton flair pour cette enquête. Je me fie aux faits, les voilà. Ce deal implique une prestation que Rempart appelle son offre de protection premium. Officiellement, il ne propose pas ce genre de service, je veux savoir ce que c'est. Ok. Tu sais par où on pourrait commencer? Oui. Un représentant de Rempart va se déplacer chez Carcani aujourd'hui pour finaliser le deal. Tout ce que tu auras à faire, c'est lui voler ses fichiers. Bon, je m'en charge. J'avais pas vu, mais Hayden, il a la même beubarde que notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Vous avez vu, il a un bout de barbe qui est blanc. Il avait pas la même, notre Premier ministre. Waouh. Waouh. Sartek. Hein. Enfin bref. Allez, on est reparti. Ah bah attends, il y a un magasin là. On va voir tout de suite si on peut custom Hayden. Est-ce que... Ah oui, on dirait. Hein. Fais voir. Manteau. Ah ouais. Oh non. Non, non, moi je le laisse. Hein. Rassurez-vous. Je ne le modifierai pas. Ah non, la tristesse. Ah ouais. Non, ben, vous rassurez-vous, hein, je ne vais pas le faire. Mais ça devrait être assez drôle. Ah, elle est où ma bagnole? Hey, c'est bien vous? Oui, c'est moi. Une image vaut mieux que mille fiscaux. D'accord. C'est à qui cette bécane? Eh ben, je prends. Et qui m'a volé ma voiture là? J'allais dire, ça devrait être bien drôle de l'habiller en sportif. Jogging, t-shirt de sport, tout ça. Wow, wow, wow! Attention là, piste cyclable les gars. Alors, je suis arrivé. Comment ça se présente? Déjà, on va se mettre sur le trottoir. On va lancer. Allez, ça, on prend ça, en mode air, bam bam bam. Télécharger des documents, normalement télécharger. Crash système, pirate les voitures, armes, robots et drones proches. Ah oui, c'est la seconde compétence que j'ai. Ouais. Pas qu'il se retourne. Ah! Oublie-moi! C'est bon! Je sais pas à quoi ça sert, mais en général, c'est pour ouvrir des petites choses. Et qu'est-ce que je dois télécharger? Ici, je peux accéder au toit. Là. Non, celle-là s'ouvre pas. Ah bah c'est là-dedans! Le mieux, ça serait d'aller là, non?
aucune activité suspecte détectée. J'ai trouvé notre cible. Super. Pirate ses données, il me faut ses fichiers. Au fait, Claire, pourquoi Carcani et le NHS se font la guerre? Ils se disputent le contrôle du CAE. Le NHS veut y dispenser des soins de meilleure qualité et moins cher. Et Carcani ne veut pas se faire de l'argent sur le dos des déportés. Tu regardes pas les infos, Pierce? Les questions de santé publique font pas exactement partie de mes priorités du moment. On dirait que cette offre de protection premium inclut une liste de cibles au sein de la concurrence. La principale d'entre elles étant un médecin, Leila Ibrahim. Tu la connais? Ce nom me dit vaguement quelque chose. Je vais vérifier. Toi, file de là avant de te faire repérer. Hé, hey, Pierce, tu sais, dans les infos que tu ne regardes pas, ça n'arrête pas de parler du docteur Ibrahim. C'est elle qui supervise l'équipe du NHS qui tient tête à Carcani pour le contrat avec la ville. Autrement dit, Carcani a embauché Rempart pour qu'il les débarrasse de la concurrence. Tu vas les prévenir, pas vrai? Une réunion de négociation va avoir lieu aujourd'hui. Je parie qu'ils y assisteront. Envoie-moi l'adresse. Je vais voir ce que je peux faire. C'est derrière, merde. Elle était easy la mission. J'ai même pas eu à sortir, à rentrer, pardon. Ah, si je rentre pas, je sors pas, c'est sûr. Et ouais. Bah écoute, tant mieux. De toute façon, Hayden Pierce, il a 30 ans de boulot là derrière lui. Hein. C'est bon. Tout est facile pour lui. Hein. Pourquoi on met des musiques comme ça là? Qui cassent la tête. Y a pas une petite ruelle? C'est ici. Alors, attends, on va aller directement. J'y suis, mais aucune trace de l'équipe du NHS. D'après les médias, la réunion n'a pas encore commencé. Inspecte les environs et essaie de les trouver. Oulala. Fermé. Merde, on dirait que je les ai trouvés. Putain, elle est morte. J'arrive trop tard, Claire. Les sbires de Rempart sont déjà passés. Le docteur Ibrahim est morte. Merde! Et le reste de son équipe? Je sais pas. Je vais aller voir. Fouiller la zone à la recherche d'indices. Ça doit être sous la voiture, ça. Putain, c'est quoi ça? Eh ouais! Vous voyez ça? J'enregistre. Alors reculez. Je suis le docteur Ibrahim. Mon équipe a été approchée par le clan Kelly. Attendez. Hé, hey, vous allez me lâcher? Ah! Au secours! Ah, le faux accent du doubleur, là, non, ça me fume. Pas elle. Elle s'en sortira pas. Chargez ce qui reste ici et emmenez-les au marché. Quelle bande de vipères! Rempart a embauché le clan Kelly pour faire leur sale boulot. Il faut qu'on aide ces otages. On ne peut pas les abandonner. Je m'attendais pas à ça. T'as une idée d'où peut se trouver ce marché? Je ne vois qu'un seul endroit possible. Laser Lane. Les membres du clan Kelly y traînent tout le temps à vendre et acheter je sais quoi. Ok, envoie-moi les coordonnées. Je vais aller voir. C'est parti! Wouh! Je me crois en France. On vu à droite là depuis tout à l'heure. Mais vas-y, c'est pété à gauche. Hein. Ils veulent pas se faire comme tout le monde là, les Anglais. Qui conduisent à gauche, mon frère, c'est relou. D'ailleurs, c'est un jour je vais à Londres, enfin en Angleterre. Je crois jamais je prendrai une voiture de location, un truc comme ça. Je sens que je vais faire un accident, les gars. Et là, je vous parle de IRL. Hein. Genre, c'est un mauvais plan, là. Je suis sûr, à un moment, je vais me retrouver sur la droite, je vais faire des accidents, je vais finir en prison. Alors, apparemment, c'est ici. J'espère que j'arrive pas trop tard. Ouais, attends, on va observer tout ça. C'est ce que t'as à faire.
Ah j'ai pas le droit d'envoyer un drone. Ah bah c'est nouveau ça. Mais dans quel pays on est là? Ah, on peut plus faire des photos. Okay. Il me suit en plus cet enfoiré. Je prends la grappe. C'est bon. Je l'ai semé. Ok d'accord, il y a un gars. On commence mal. Il arrive. Faire des photos, c'est bon. Attends, je suis toujours à la mission, le serment d'hypocrite. Putain, elle est vachement longue. Oh merde, y'a le gars là. Eh, hey, fous-moi la paix, frère. Le mec, il me lâche pas. Heureusement, je suis caché. Hein. Eh, hey, y'a des brigands juste ici. Et toi, tu viens me les briser, frère. Oh, lui il est solo. Je peux me le faire en vrai. Ah non, lui il est plus solo maintenant. Oh! Attends, donc il y a un mec de la police là de Albion. Il rentre dans une zone avec un mec armé. Il lui fait rien du tout. Ah. Pas à quoi ça sert. J'ai trouvé les otages. Comment ils vont? Ils sont vivants. Pour l'instant, il faut agir vite. Y a rien à pirater en fait. Y a un souci avec la porte. Y a juste un doc. Ouais, bon. Y'a que 3 technos. Bon, le son a coupé ou c'est moi? Perdu. Qu'est-ce que tu fous là, bordel? Allez, 3, 2, 1. Attends. Ok, c'est complètement raté. Complètement foiré mon entrée. Le plus vite possible sans te retourner. Garde la tête baissée et continue. Barrez-vous les gars, barrez-vous. C'est moi qui régale. Yeah. Elle est où ma bécane, je m'en rappelle plus. Merde, il revient l'autre con. Il revient. Bah, c'est bon, enrayage. Après tout ce merdier là, j'ai enfin enrayage. Bah, c'était long hein. C'est fait. On dit qu'il vaut mieux ne jamais rencontrer ses héros. Mais là, t'as vraiment assuré. Compte sur moi pour le dire à Connie. Maintenant, excuse-moi, j'ai un article à écrire et des sociétés véreuses à faire tomber. Tu sais, pour une journaliste, tu te défends. Fais-moi plaisir, tiens-moi au courant. Ça peut toujours servir de savoir ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr, pas de problème. Tu sais, pour un vieillard, tu te défends pas mal non plus. À plus tard, Pierce. On va tout exploser. Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Ça a fait le tour des informations et je pense qu'on en a tous marre qu'on nous le rabâche. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, Kani est officiellement le fournisseur santé principal du CAE. La santé privée marque un point. Même si se faire de l'argent sur le dos des réfugiés n'a rien à voir avec la santé. Alors comment est-ce arrivé? Et quelles conséquences sur notre système de santé? Bon, c'est un peu laborieux. Donc mission accomplie, le serment d'hypocrite. Mission commencée, OPA hostile. C'est quoi ça, OPA hostile? Qui c'est qui fout le bordel là sur la route? Oh, d'accord. Oh, bah, ah d'accord. Vous êtes en train. Mais t'es un forceur toi. Mais passé où putain? Mais attention à ma bécane, wesh. Oh bah elle est morte. Mais fais gaffe mec. Mais hé. Si je me casse de la
là, c'est le bourbier. C'est le bourbier. Allez hop. Ciao. Bon, eh bien les amis, toujours pas de nouvelles de Jackson. Bordel. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Et on continuera dans le troisième épisode. Peut-être que je dois faire encore une mission secondaire pour que ça se débloque. À voir. Ça me dérangerait pas vu que je dois gratter l'amélioration à tirer. Ça, c'est très important pour faire de belles infiltrations. Voilà, donc je vous invite à laisser un maximum de pouces bleus et je vous dis à très vite pour la suite. Attention, waouh! Vous avez kiffé ça. Allez, portez-vous bien, tchuss!